Hi everyone, it is I, Repti, and welcome to this new video, a special video, parce que je parle français, et je suis avec des amis français, ne vous inquiétez pas, il y aura des sous-titres anglais. Donc c'est une vidéo sur Minecraft, où on fait une sorte de compétition en 2v2, qui s'appelle Fallen Kingdom. Ça a été créé par Zelvac, un youtubeur français. Et c'est assez simple, c'est deux équipes qui s'affrontent, rouge et bleu, et il faut créer une forteresse et cacher une salle des coffres à l'intérieur. Pour gagner, il faut trouver la salle des coffres de l'équipe adverse. Il y a du coup deux équipes, la rouge qui est constituée de Baka et Sifel, et l'équipe bleue constituée de Repti et Geki. Il y a aussi deux autres joueurs qui seront eux passifs puisqu'ils seront là pour regarder, ils seront un peu ceux qui vont vérifier que tout reste en règle. Et donc du coup j'ai tout dit, donc c'est parti pour la vidéo, ne vous inquiétez pas, les règles seront annoncées dans la vidéo. Bienvenue dans le Fallen Kingdoms. Ouais. Bonjour à Bakapoa et Sifel qui formeront l'équipe rouge. Ouais, et à Eyepatch Geki et... Ouais, qui formeront l'équipe bleue. Cassoulet ! Cassoulet, bien évidemment. Cassoulet, William Sorin. Ouais, le cri de guerre. Alors, pour les règles, le PVP est autorisé à partir du 4e jour. Le Nether est autorisé à partir du 5e jour. Et un assaut est autorisé à partir du 7e jour. L'assaut sera autorisé quand les objectifs principaux seront accomplis, c'est-à-dire un bloc de quartz, de Nether brick et de Soul Sand seront à déposer dans les lieux destinés. Voilà, voilà, voilà. Bon, je pointe avec mon doigt, mais on s'en branle, c'est là-bas. À gauche, à droite. Voilà. Yes. Ouais, ouais. Yes. C'est pour la bouffe, est-ce qu'on peut se faire livrer des Uber? Oui. C'est non. Attendez, on va. Délivrez-vous, c'est bon. Qu'est-ce qu'on sert pour nous? Mathieu, tu viens. On peut commander Domino's? Tu penses qu'on est. On peut manger pizza. Les gars, on va manger japonais, go. Ouais, c'est bon, toi. Qu'est-ce que. C'est oui! Alors vos bases font respectivement chacun 32 par 32 blocs. Ok, c'est la taille de ma queue. Ensuite la salle des coffres doit être à 20 blocs en dessous. Interdiction de crafter ou de poser des blocs à l'extérieur de votre muraille. Ouais, à part la TNT pour faire péter. Ouais, voilà. Ah, une gargouille est disparue. Allez, venez donc. Donc vous êtes arrivé à Gryffondor cette année, bravo à vous. Ouais, ouais. Au on n'est pas les connards de Serpentard. Mais... Alors, l'autre équipe, c'est les serpents putes. le prof qui n'aime pas trop, justement, les autres. Ah, moi, je suis impartial, hein, mais quand même 50 points pour Gryffondor. Bonjour, impartial, moi, c'est Florent. Et okay, voici bon, votre drapal. Parfait. Ok. Mes ressources là-dedans, moi je me suis fait un conseil, fais-toi une hache en bois, ouais, pour tuer les mobs. Ah, tu veux qu'on tue direct les moutons, tout ça? Ouais, vas-y. Bah, tue pas tout non plus, mais pour l'instant... Et puis aussi récolte du coup, bah, les melons. Le génocide le plus rapide du monde. Les Allemands en sont jaloux. Ça sera coupé au montage, hein. Ah non. Je ne l'ai pas entendu, donc on peut remercier Discord. De rien. Merci Discord d'avoir protégé mes oreilles trop pures pour ce monde. Pour te remercier Discord, je vais aller mater du bon gros hentai de sa mère. Yamete, senpai. Anatamo, chinchin, wow, qui déçu. Tu parles japonais toi maintenant? Depuis que je suis petit. En fait, je viens du Japon et j'ai niqué ta mère et niqué toutes les darons du monde. Mais enfin, Flavien, ma mère n'est pas un Shiba. Everywhere you go. Ah oui, la musique. Everywhere you go. Tu mets tout le bois dans... Tiens, je te fais aussi une pioche en pierre. Ok, merci. Moi, je vais créer le premier lit. Tiens, vas-y, je t'ai donné ta pioche. Merci. Hop, je vais faire aussi un fourneau. Voilà, et aussi au cas où, je vais me faire une épée en pierre. Voilà, tiens, toi, il te reste du... Ouais, je vais créer un four. Ah, t'as déjà créé un four, c'est bien. Parce que moi, j'ai masse de viande, donc on va se mettre à cuire un peu tout ça. Moi, je vais essayer de faire en sorte qu'on puisse atteindre la grotte en bas, parce que bon, là, c'est un peu compliqué. Donc... Ok, c'est bon, j'ai atteint le truc, il y a déjà des creepers. Il faut qu'on soit à 5 blocs de hauteur. Oh putain. Quoi? Qu'est-ce qui se passe?
Bah il y a plein de mobs. Faudrait qu'il explose le creeper là, putain mais j'ai... C'est un truc, c'est qu'en fait fallait absolument qu'on fasse un... C'est un truc... C'est opposer un lit. Moi c'est ce que je suis en train de faire et j'ai pas assez de terre. Aïe! Aïe! Aïe non! Non, je suis mort. Mais oui, mais aïe. Putain, mais y'a combien de mobs? Elle est où mon épée? Mon épée, vite. Y'a... Voilà, bon, Flav, moi j'ai construit le truc du premier lit. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un truc... je vais faire des échelles. Vas-y. Monsieur le commentateur, comment se passe-t-il dans le truc? Mais, non mais là par contre... Ah ouais, mais d'accord, c'est pour ça que je pouvais plus monter, mais putain, mais elle me touche. Je suis là, elle me touche. Va-t'en, je prends le relais. Ah ouais. Putain, on voit que dalle. Sayonara. On aurait dû faire des armures en bout. Attends, vas-y, s'il te plaît, aide-moi. Ah, je suis pas... Bah, qu'est-ce que je suis en train de faire, mais je vais canner aussi, en fait. Y a masse de mobs, mais c'est abusé. Putain. Oh, putain, mais c'est ignoble. Mais c'est ignoble. Attends, mais y'a combien de mobs avec, contre nous, là? Non, mais ça respawn de bâtard. Bah, mais après, je veux pas faire le connard, hein. Mais on n'a pas fait de charbon bois, donc on n'a pas de torche, on n'a rien, donc on peut pas éclairer, oui, on peut pas éclairer, ta gueule. Ouais, et... Je suis en train de voir un truc qui me plaît pas forcément. Non, c'est... est-ce qu'il fait nuit, là? Vite. Il fait pas nuit. J'ai envie de canner. Faut que je torche. Flavien, wipe out his ass. Ok, c'est bon. Faut aussi que je refasse un escalier, putain. Tant pis, je vais utiliser un peu de bois. Me voilà. Il m'a l'air de faire nuit. Par contre, je suis trop deg, j'ai plus ma bouffe. J'avais tellement de melon, mec. Mais ça, je le savais que t'as pris le melon de... un certain temps. J'ai 600 abonnés, c'est bon. Putain, et la nuit? La nuit, c'est comme... Cherche une vanne, j'ai pas de vanne. Putain, squelette. Oh putain, non, il y en a deux. J'ai plus de vie. Un shield. Il nous faut un shield. Les shields, c'est pété. Ok, bon, moi, je vais aller miner le maximum de trucs que je peux. Bah, en espérant espérant ne canner comme une merde. Il y a du... Ah bah attends, viens, je te fais un shield. Au pire, tu sais ce qu'on fait? Quoi? Là où t'as posé la saloperie de merde, l'établi en bas. Ouais. Et bah là où tu l'as posé, bah je mine en ligne droite. Là, j'ai trouvé du charbon, tout ça. Vas-y. Ok, il y a un creeper. Aïe. Je pense que tu as affronté un creeper. Oui. Je suis pas sûr. Oh putain, il y a encore le squelette, sa mère. Ils sont dans la grotte ou à notre maison? Les bruits proches me disent qu'ils sont à notre maison. Ok, c'est bon. Je suis easy peasy là. Je vais me faire une pioche en fer. Ouais, vas-y, ça c'est intelligent ça. Et... Ouais, mais pour l'instant, c'est nous qui avons fait tous les succès là. C'est bizarre. Ils sont en train de jouer au moins les autres. Ok, je vois du diamant. Oh, mec, je vois du diamant. Oh, go se faire une pioche en diamant. Oh, en fer. Oh, j'ai une pioche en fer. Vas-y, passe-la. Je te passe ma pioche en pierre. Tiens. Oh, je vois du diamant. Ils vont voir le truc diamant. Par contre, il est tout en bas, ça va être galère. Attention. Merci. Oups. Je ne l'ai pas regardé. Non, c'est moi qui l'ai regardé. C'est moi qui l'ai regardé. Oh merde, je suis dans l'arbre. C'est bon, j'ai réussi à sauter dans l'eau. Après, c'est pas grave, on a dû faire. Oh putain, le squelette, il m'a vu à l'autre bout du monde. Me pousse pas. T'as failli me pousser dans le vide.
J'ai des sticks. Ah, bravo Florent, tu te pètes la gueule comme une merde. T'es vraiment une petite merde, Florent. Oui, madame. La pioche en fer, 2020-2020. C'est tellement ça. Ne regarde pas les Enderman, Florent, ne regarde pas les Enderman. Mais sérieux, mais il y a un squelette. Mais non, mais mec, c'est hardcore. Vraiment. C'est pas Attends, cool. T'es où? Tout en haut. T'es dans la grotte? Tout en haut, c'est le jour. Il y a un putain de squelette, sa mère. Qu'est-ce qu'il fout là? Bon, j'ai trop d'habitude. Toilette. Ah, petit truc, j'ai l'impression que le soleil ne descend pas. Oui, ouais. C'est pour ça en fait, ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir le soir en fait. C'est vrai? Je sais pas, mais on dirait en vrai. Vas-y, viens, on saute dans l'eau, viens. Non, je pense que Anthony a pas mis le truc pour que le jour continue. Vas-y. Vas-y, protège-moi, je vais... T'as récupéré la pioche en fer ou pas? Yep, je vais vite torcher tout. T'es prêt? Ouais. Le diamant, c'est où? Il est là, Gan. Oh, oui. Diamant. Il y en a qu'un seul, mais bon... Oh oui, ça va les mettre... Oh, ils doivent être deg, là. Hop. Oh, regarde, il y en a là! Là où j'ai commencé à... Geki, je travaille d'équipe. Dis-moi où est le diamant, là. Pas... Mets-toi bien en dessous du diamant, CP. Bah attends, t'es où? C'est juste en dessous, c'est bon, j'ai la location du coup. Putain. C'est bon, oh oui, le diams. C'est non bon, je suis tombé, attends, vas-y, j'y retourne. J'ai plus de vie, mais j'y retourne quand même. Mais mec, pour miner, on a le droit de poser des blocs à condition qu'on les... Non, on n'a pas le droit, Ah non. Sérieux? Bah non, oui, non, c'est vraiment pas de blocs. Par contre, oui, je peux passer. Allô. Ok, je vais faire attention de pas tomber cette fois. Putain, tiens, récupère-le. Oh oui mec. Oh là là. Vas-y, toi aussi, t'as pas eu le succès pour le diams? Oh non. J'en sais rien. Oh, ça aurait été trop drôle, ils auraient vu tous les deux qu'on a du diams. Attends, faut que je bouffe, j'ai plus de temps. Viens, on va aller... Putain, Flav. J'avais plus qu'un cœur. Putain, il s'est tordu la cheville, le con. Putain, voilà, on est vraiment en milieu hostile. Hein. Viens, regarde. Parce que là, ça fait déjà 40-45 minutes. Mec, viens, ça te dit, on passe par là justement pour monter. Ça on fait un escape. Vas-y, je te suis, Flav. Vas-y, viens, parce qu'en plus, il y a du diamant sur le chemin. Où? Je te save, regarde, il y a mes pieds. Oh putain de merde. Oh là là, derrière toi. T'inquiète, je te protège. C'est bon, je l'ai. Fais vite un escalier, vite. On a 10 diamants. Voilà. Yes. Moi je peux remettre le lit. Voilà. Et puis moi aussi. Allez hop. Il y a un zombie qui est en train d'arriver. Qu'est-ce que tu vas faire? Vu que je n'ai pas de bouffe, c'est très simple. Je vais me suicider. J'ai plus de vie là donc. Vas-y, bon. Je mange mon petit melon. Voilà. Je t'ai vu mourir. Merci pour l'XP. Connard. Oublie pas de mettre de l'oxygène dans la salle des coffres. Comme ils ont fait, ouais. Ah oui, ça d'ailleurs aussi va falloir penser à comment on va faire pour. Mais tiens, moi, la dernière fois, t'avais fait un système ingénieux. La première fois qu'on avait fait. Pour la salle des coffres? Ouais. Oui, avec un rail. Exactement. Oui, ça, il fallait se positionner un certain coin de bloc pour l'actionner. Bah oui, ça c'est le truc le plus pété, j'adore celui-là. Et voilà. Voilà. Oh! À la maison? Non, en dehors. J'ai entendu des pas, je me suis dit, bah, mais pourquoi il est derrière moi, Geki? Et c'était pas toi. Parce que là, faut torcher l'intérieur. Je vais pas te mentir, on a vraiment besoin de torcher l'intérieur. Bah dis donc, s'il faut torcher autant de trucs, c'est que c'est vraiment un boulot de merde. Et le pire, c'est qu'il y a les deux organisateurs qui ont tout entendu. Non, elle est géniale. Si je saute et je me brise les yeux, je suis un homosexuel.
Ah bah. Y'a des creepers. Non. Où ça? En dehors de la base. Merde. Au pire, ça te dit, on fait un chemin souterrain pour pouvoir sortir de la base. Ouais, mais pour aller où? Tu veux dire créer des galeries souterraines pour aller jusqu'à leur base? Non, mais je veux dire, tu sais, pour sortir de la base, on, mais mec, on sort par imagine, là. Imagine. Ouais, mais non, parce que quand on arrivera à leur base, on aura plus le droit de casser de blocs à la pioche. Donc faudra tout faire péter. Bon, Flav, je vais te ravir. Et j'ai quasiment 4 stacks de cobble. Fou, yeah. Plus ceux qui sont déjà dans les coffres, on en arrive à environ 7 stacks de cobble. Ah, je t'ai entendu casser ta pioche. Oh! Putain d'araignée! À la maison? Oui, elle a grimpé la muraille, la pute. Oh la pute. Ouais, mais bientôt ils pourront plus. Bientôt ils pourront plus. Est-ce que je ferai pas la masse de saloperie là, comment ça s'appelle? De saut? Vas-y, vas-y. Pas la masse quand même. Fais oui, genre. J'en fais 2-3. Ouais. N'en fais pas la masse, fais-en 10. Ah bah putain, ils ont enfin du jams les trisos. J'ai le droit, ils sont du sud. Attends, mais je pense à un truc, Flav. Quoi? Bah, on n'a pas le droit de poser de bloc, on est d'accord. Ouais. Attends, ici on a le droit, mais là où t'avais posé l'escalier de bois, on n'est plus dans la zone. C'était où ça? Quand tu voulais remonter. T'es sûr? Bah ouais. Je sais pas. Moi j'ai pas envie de me faire disqualifier pour de la merde, donc je vais les... Que se passe-t-il avec un escalier en bois? Regarde là, la commère là. Ah moi j'entends une triche. Alors c'est pas de la triche parce que même si j'ai fait un escalier au mauvais endroit, je pensais que j'étais encore dans la base. Non, le couloir est beaucoup trop grand pour que ce soit encore dans la base. Ah ouais. Alors, attends voir, merde. C'est où exactement? C'est que dans nos grottes. Non mais c'est bon là, j'ai enlevé le bois. Très bien. Par là. Par là? Ok. Là-bas, je suis dans la bonne direction. Mais non, regarde par où je regarde. Ok, c'est par là. Moi, je vais aller rechercher de l'eau. Qu'est-ce qu'on s'amuse bien quand on est homosexuel avec Flavien. Nani? Hein, quoi? Wow, je dis beaucoup de bêtises, moi, dis donc. L'audima féminin de ma chaîne YouTube va avoir des désillusions alors que non. Mesdames, je suis libre, il faut le savoir. tous les samedis et dimanches, parce que la semaine, en fait, je dois voter au Front National. Parce que voilà. Je dis, mais de la merde sur merde. Par contre, faut bien que ça soit vraiment protégé. Bienvenue chez toi. Oh, super, incroyable du pignon. T'aimes la déco ou pas? Ah oh ouais, putain, ça me rappelle. Alors, ouais, je mettrai pas ça sur YouTube, j'aurais fait une blague vraiment pas ouf. Question, est-ce que t'as vraiment fait l'aller-retour sans arrêt? Bah ouais, pourquoi? Alors, mec, t'as oublié que dans Minecraft, il y a un truc qui s'appelle source d'eau infinie? Attends, tu te fous de ma gueule là. Non. And no introducing le débile. Là-bas, il y a un creep, un skull. J'entends. J'ai dit, il y a un creep et un skull, et derrière moi, j'entends un psh psh. Si je remplace tout ça par des tables de craft. Il y a mass creeper là où je suis, mec. Ok, bon, j'ai peut-être trouvé une idée. Il y a eu une explosion, c'est toi? Ouais, t'inquiète, je suis safe. De toute façon, une muraille, ça peut pas être indestructible. Yami, c'est pourquoi. Ok. Bon, là, du coup, vu qu'il faut se dépêcher quand même, je vais devoir faire la salle des coffres, ok? Ouais. T'as du fer?
J'en ai 34 sur moi, mais il faut que je remonte. Ok, parce que là, il y a vraiment pas de fer en fait. Il y a un rollback. Putain, non, ça, je crois que. Ah, c'est bon. Ah, ils sont partis dans le Nether, les bâtards. S'il y a pas de. S'il y a pas de salle des coffres fait le jour 7, c'est perdu. Ah ouais? Oh putain. Vite. Bah oui, parce que le jour 7, les assauts commencent, hein. Je récolte de la redstone. Du James. Père. Ouais, ça me le compte pas, donc je pense que je l'ai eu, mais ça l'avait pas montré. Ok, ouais. Oh, un slime. Slime, je dois le buter ou pas? Oui. Oh oui. Oh oui. Si bien. Hop, allez, on se dépêche, c'est important là. C'est un peu la merde. Parce qu'on est un peu en retard au niveau de la salle des coffres. Putain, il y a tellement de fer. C'était toi ça? Ouais. Ok, ouf. Bon, par contre, là on est en dessous de la base donc. Oh, c'est parfait! Oh oui! On est en dessous de la base donc je me permets de poser un bloc. Yep, vas-y. D'abord, je vais poser hop, un seau d'eau ici. Parce que sinon, ça va être dangereux à force. Ce serait drôle quand même. Oh, ce serait. Oh là là! Ah, ils ont trouvé les trucs. Il va vraiment falloir qu'on y aille.